Jo, oder Tim, ich mag irgendwie seine Idee aujourd'hui. Nouvelle vidéo, aujourd'hui en fait je vais faire une vidéo sur mes touches. Touches, c'est donc du coup c'est le jeu que je joue tout le temps. C'est Roblox en fait. Donc c'est parti. J'espère que le choix est bizarre parce que j'ai pas une très bonne éclairage. Je vais sûrement demander d'avoir des éclairages en tout cas. Donc ici j'ai des éclairages bleus, des lettres de Noël que j'ai pris dans mes parents. En tout cas. Bon. C'est parti, donc du coup, moi, si vous savez pas, j'utilise un logiciel qui s'appelle, c'est Xmas Button Control V5.4, si je me trompe pas. En fait, ça permet d'utiliser sur Roblox les jeux qui ne peuvent pas utiliser les boutons, les side mouse buttons. Là, vous la voyez bien, j'ai mis en bleu. De pouvoir les utiliser pour avoir des raccourcis. Donc du coup, moi, j'utilise... ce bouton en haut. Attends, je vais faire de quoi? Voilà. Ok. Donc ici j'utilise le bouton en haut que je vais essayer de vous montrer. Caméra. Check. Là, il y a ici mon premier bouton, ici mon deuxième. Moi j'utilise le premier bouton ici pour faire des escaliers. C'est là pour faire des murs. Donc du coup, c'est les murs. Donc du coup maintenant je vais vous montrer toutes mes keybinds. Donc du coup en premier on a le mur qui est Q. Donc du coup c'est Q, mais vu que j'utilise les slide mouse buttons que j'ai montré tantôt sur ma mouse, ici c'est le premier bouton que je montre. C'est avec lui que je fais les escaliers et le sol. Le mur. Et donc du coup c'est ça. Pour mettre les rampes. Full focus. Pour mettre les floors, c'est C. Donc, du coup, quand je suis comme ça, je fais ça. Je peux faire ça. Et pour faire les pyramides, c'est X. Donc, du coup, j'ai mis ça. J'ai pas mis comme Nexter, j'ai pas fait l'inverse. J'aime plus ça comme ça parce que je joue comme ça. Oui, je peux changer les couleurs de mon clavier. Je vais vous montrer. J'ai plusieurs. J'ai aussi mis ça, mais oui, j'aime plus quand c'est. Je vais le mettre en vert. Parce que. Et donc du coup c'est ça. Après pour edit c'est après fun focus c'est ça. Les pyramides c'est X. Les traps c'est les pièges c'est G. Les aim puis aim c'est le bouton de base, le bouton clic gauche, clic droit en fait. Pour faire crouch c'est ça, c'est se baisser. Checkez ça. Pour se baisser. C'est B. Voilà. Donc du coup ici j'utilise un petit casque que j'utilise sur ma Xbox, que j'utilise en ce moment. Je vais m'enlever. Et checkez ça. Là je vais utiliser juste ça. Checkez ça. Ok. Là. Donc du coup, j'ai essayé de faire un petit genre truc animal. Okay. Ça de même. J'ai pour cet abonné. Checker ça. Ok, le petit fail. Donc du coup depuis ma dernière vidéo je me suis vraiment améliorée. J'ai joué vraiment mieux qu'avant. Avant j'avais plus de misère vu que j'étais un nouveau clavier. Donc du coup pour les edits c'est vraiment ultra facile. Je vais faire un double edit là. J'ai pas fait de double edit, en fait j'en fais juste jamais. Donc du coup ouais c'est ça. Du coup c'est ça. Edit ça va bien. J'ai un gros sniper ce jeu là.
Est-ce que vous entendez Blue? Et 10 c'est F, parce que moi j'utilise pas le G. Le G c'est trop loin. Là j'utilise pas de casque, vu que je vous parle. Mais d'habitude j'utilise un bon petit casque, un Turtle Beach, je vais confondre si vous avez pas vu la vidéo. Et je vais pas vous la mettre en description, mais elle est sur ma chaîne YouTube. Donc allez la voir si vous tente. Ok, 52. Ah, il y a ce qui est mort. Du coup, je joue beaucoup plus à Suicide depuis. Donc, du coup, c'est ça. Donc, c'était pas mal ça. Pour. Ben, je vais juste monter le reste de mes touches. Pour reload, ben, recharger, c'est R, edit F. Pour la pioche, j'utilise ça. Donc, du coup, c'est le backup. Pour le slot 2, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et après, E, c'est pour utiliser, genre, pour interagir. Les emotes Z, inventaire T, la map M. Le set marker, c'est genre ça, là, je vais vous montrer. Non, 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 oh, non, 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 non. Your mama chased me onto the door before keeping the chase on the floor. Curious if I think that is for you. Give me all of them. I really want more. Curious how they find a puff on the wrist. Ah, fuck you, man. Bon. Donc, du coup, je vais vous montrer c'est quoi un set marker. En fait, c'est genre ça. Genre de GPS, correct. Bon, ça marche pas vu que je suis en game, mais en fait, c'est genre un marqueur. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai aimé la faire. De vous montrer vraiment les touches que j'utilise. Et j'ai des nouveaux parleurs que j'utilise pour toute la musique quand mon frère n'est pas là. Donc, du coup, c'est ça. Ah oui, et je suis en live pas mal tous les soirs. Donc, du coup, tantôt, je vais en faire un sur Twitch. Donc, du coup, allez me follow Fatality Ghost. Pas avec un T à la fin, Fatality Ghost. Et c'est ça. Donc, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!